Honneur d'avoir un invité comme Alain Choquette Épisode numéro 100 euh, Alain, pour ceux qui ne savent pas Est un très très gros collectionneur Un passionné, il a des histoires de compter Il y a tellement, je sais même pas Ce dont tout il veut me parler aujourd'hui Mais je sais qu'il a amené plein d'items de collection Là je vais me permettre une seule joke plate J'ai vendu ma collection Je me demandais si elle allait disparaître en quelque part que je pas plus à trouver <laughs> Alain Choquette, salut! Comment ça va? Ben, ça va bien, en fait c'est moi qui t'ai appelé ben oui, mais, mais c'est... non, on se tutoie, là. Ben oui, on se tutoie. OK. C'est moi qui t'ai appelé. Ben, ben oui, parce... je vois ça, le message, moi, qui rentre. Alain Choquette. « Hey, je trippe sur votre show. » J'aimerais ça qu'on jase ensemble. Il n'y a même pas de question. Et euh, on en a parlé hors des ondes, j'avais reçu euh, Dominique Paquet il y a très, très longtemps de ça. Euh, Puis je t'avais entendu cet été ici également. cétait cet été ou ouais. Non, c'était cet automne. Non, ben cet été, je venais, je venais avec euh, Pat la patte le, le matin, qu'il quelques matins pour parler un peu des, des artefacts. Ouais. Moi, je suis plus planté dans l'artefact que la carte. D'ailleurs quand je vous écoute, moi, tu sais, je, prends, je marche tous les jours, je marche une heure tous les jours, ah puis ouais? euh, je trouve ça, vous écoutez, euh, vous autres, euh, ces podcasts, écoute, je comprends rien. <laughs> je comprends rien, mon gars. Écoute, je vous écoute, j'ai l'impression d'écouter un chirurgien qui fait, qui fait euh, une opération. Passe-moi telle affaire, il se passe... Tu sais, hier, avez, la, la, la dernière fois, avez, je l'ai écouté hier, vous avez parlé des, euh, de la nouvelle sortie des... De euh, Connor Bédard, oui. Bon, mais écoute, là, tu me dis qu'il y a 42... Cornerbeda différent. Oui, exactement. Quand... Parce que oui, tu as la Young Guns, mais tu Je trouve ça tellement intéressant que tu, que tu me dises ça. Ça n'a pas de bon sens. Parce que c'est difficile dans notre monde, quand nous autres on parle de cartes, pour nous c'est rendu inné. Tu sais, on comprend toutes les variantes et tout le ouais. reste. Euh... Mais il y a... Puis c'est drôle, notre producteur qui vient juste de sortir du studio, Pierre-Alexandre... C'est son ben, opinion. Il m'a dit la même chose que toi. Ouais. Donc, euh, il dit, tu sais, c'est le fun d'écouter Show de Vous avez une, euh, une belle énergie, euh, toi puis Yanakis. Yannakis qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement. Euh, on va refaire un autre avec toi, Yanakis aussi. Je pense que vous allez avoir bien du fun. Déjà là, j'ai vu euh, une page de journal comme ça. Ça, c'est le truc que lui, il fait triper okay. bien raide. Euh, j'ai hâte que tu me présentes ça. Mais... Quand on dit il y a 42 Connor Bedard, celle qui va toujours avoir. Puis là, on un petit peu d'éducation parce que je pense que c'est important pour ceux, depuis qu'on est à BPM, qui se joignent à nous autres tous en même temps. Tu as ça, Young Guns régulière, que tout le monde connaît, qui est la carte recrue la plus, euh, la plus populaire, si mm -hmm. on veut. Et tu as plusieurs variantes de celle-là qui sont de plus, plus limité, en plus limitées. Plus limitées, limité, exactement. Donc, tu en as une, tu as la une de une, qui est la fameuse celle à 1 million US. Tu en as sur 10, tu en as une sur 25 qui est la Alburst Red, tu en as une sur 100, tu en as une sur 250 puis tu la Silver qui est pas numérotée mais qui est plus rare à ce moment-là aussi. Mais après ça, tu euh, d'autres types de cartes aussi qui sont là, sa fameuse portrait, les variations de la portrait et la dazzleuse aussi qui sont des cartes de, ouais, mais... de moins grande valeur mais qui sont quand même des cartes recrues de Bédard, tu sais. Greg je, je, trop... Là, je donne vraiment une opinion extérieure. C'est passionnant tout ça, mais en même temps, c'est complexe. C'est compliqué. Pour... Est-ce que les gens... Les... Parce que d'ailleurs, on va, on va parler un petit peu, en tout cas, j'espère, de philosophie de collection. Ben oui. Comment les gens s'orientent au travers de tout ça? Est-ce que quelqu'un va décider, OK, moi, je les veux les 42? Est-ce que je veux toute la série? Est-ce que j'en veux juste euh, les, les, les Young? T'sais, t'sais... Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir compléter les séries. Ça me surprendrait que quelqu'un dise Je veux les 42. Ben, en fait, tu pourrais pas avoir les 42 cartes de Connor Bedard. Parce que tu as la 1 de 1. Ouais. Parce que tu as la 1 de 1. À moins que tu tombes sur la 1 de 1. Mais à ce moment-là, c'est toi qui décides de la garder ou de la vendre pour un million US à David Adams. Ouais. Euh, c'est tellement intéressant comme discussion parce que là, ça amène sur un autre concept qui s'appelle ce qu'on appelle les, les arcs-en-ciel, les fameux rainbow », de dire Je veux toutes les variantes possibles de la même carte par exemple euh, par exemple les, les fameuses Dazzlers, tu en as une bleue, une verte, une rose, une noire tu sais. Donc, vont essayer d'aller chercher toutes les, les variantes possibles, il y en a qui sont plus dispendieuses parce qu'ils sont plus rares. C'est un petit peu un concept qu'Upper Deck a fait, puis toutes les compagnies de cartes parce que je sais pas si tu collectionnais dans les années 90, au début des années 90, il y, y a cette fameuse ère où est-ce qu'on imprimait beaucoup trop de cartes. Mm -hmm. Tu par exemple, la série 2 d'Upper Deck on l'imprimait, il n'en restait plus, on en réimprimait d'autres. Ça, ça. ça a tellement causé d'offres que la demande n'était plus tellement là. Puis ça, ces cartes-là n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Alors, d'avoir des cartes limitées comme ça, des cartes qui sont plus rares. Euh, ça a amené le, 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 le hobby à avoir des valeurs un petit peu plus grandes selon les joueurs et différents comme ça. T'sais. Écoute, moi je suis de l'époque où euh, ma Boba rookie, est allée sur ma route basic, là, ah, fait que. Euh, ça te euh, fait mal au cœur euh, quand ben, tu passes ça ben, là? Ben, on a tous passé par là, mais ça sonnait bien, par exemple. Ça <laughs> sonnait bien. Mais, mais écoute... Euh, au travers de tout ça, je trouve ça fascinant. Je, euh, je vais dans des shows de cartes. Je trouve que c'est des c des beaux objets. C'est attrayant. Mais moi, j'ai une philosophie de collectionner un peu en entonnoir. C'est-à-dire que je vais me choisir des... Euh, des euh, pas des disciplines, là, mais des... des euh, comment je pourrais appeler ça? Un angle particulier ouais. où, où je m'enligne vers ça. Ouais. Puis si je m'alignais dans la carte, j'étais un jeu grec, là, je suis... J'apprécie, là, mais je suis perdu. Je veux-tu des pièces de chandail? Je veux-tu des pièces de bâton? Je veux-tu des premières années? Tu sais, c'est il y en a. Il y en a. que Comment, comment on s'oriente? Comment ben... on prend goût? Qu'est-ce qu'on cherche? Je <laughs> trouve ça intéressant, encore une fois. C'est la première fois, je pense, qu'on me pose autant de questions en direct sur mon Dans podcast. Même j'trouve ça... j'trouve... Non, mais je trouve ça adorable. <laughs> euh, admirable aussi. Euh, Puis, tu sais... Puis là, Yannick rit tout le temps de moi, c'est sûr, tu as entendu ça. Bon, Greg, un nouveau trip. Mais <coughs> la, la collection, un j'ai hâte que tu me parles de ta philosophie, parce que tu me dis que tu as des angles très précis. Mais il y a des gens qui, qui prennent un angle précis, puis qui se dédient à cet angle-là, puis qui disent, moi je veux ça précisément, puis c'est uniquement ça que je collectionne. L'épisode précédent, par exemple, c'est un collectionneur uniquement de gardien de but. Oui. C est, c est, il fait juste collectionner oui. les gardiens de but. Il y en a qui, lui, c'est les durs à cueillir, les toughs. Il adore ça. Mais il y a d'autres choses aussi dans sa collection. Euh, Puis moi, je me suis rendu compte, oui, j'aime les cartes recrues, mais en même temps, euh, tu sais, par exemple, euh, on, on jasait peut-être de l'éventualité que Marc-André Fleury s'en aille jouer avec les Kings. Si jamais c'était le cas, j'aurais voulu une carte de Marc-André Fleury avec les 15. C'est sûr et certain, malgré que la valeur n'aurait pas été là. C'est mon équipe depuis que je suis tout petit. Tu le sais si tu écoutes le podcast. Euh, donc, oui, les recrues, mais en même temps, je pense qu'il y a tellement de, de côtés à la collection. Il y en a un, il y a quelque chose que j'ai envie de partir comme collection, puis c'est d'avoir une carte recrue euh, avec un morceau de chandail, une patch de chacun des joueurs que j'ai passé en entrevue pour les podcasts, t'sais. donc j'ai celle de Pierre-Luc Dubois, j'en ai acheté une de Benoît-Olivier Gros, fait que, pour, pour moi c'est une façon de collectionner, puis les chandails aussi, tu vois toutes mais les cool. ça, les aussi cool. sont tous les chandails, c'est cool, c'est cool parce t'sais. que tu, tu vas les regarder plus tard, ça te, va te rappeler quelque chose. T'sais. Mais quand je suis allé là-bas, exactement, ben oui. c'est un morceau pour moi, t'sais, si j'ai une carte ça me rappelle pas nécessairement le match que je suis allé, mais me rappelle du moment où est-ce que j'ai acheté mon chandail de mec qui par exemple. ce que j'aime de ça c'est qu'au-delà d'une valeur monétaire, il y a une valeur émotive que tu rattaches à la collection toujours. que tu veux faire. Et, et aujourd'hui, euh, ce que je trouve plate, c'est qu'on parle toujours de chiffres, ça vaut tant, euh, je veux celle-là parce qu'il euh, va prendre de la valeur. Au lieu d'avoir euh, un, une émotion quand tu regardes l'objet qui te rappelle... Mm. Quelque chose. Si tu ne vends pas tes chandelles d'ici 10, 15, 20 ans, parce que moi, je vais te parler d'objets que j'ai depuis que je suis petit cul. Puis ces objets-là ont quelque part semé mon envie de. Ça a collection. commencé comment, toi, cette, cette, okay. euh... cette passion-là de la collection? Très bonne question. En fait, je suis... c'est venu sur le tard parce que je collectionne certaines choses. Si on parle de sport, je suis un collectionneur d'antiquités de meubles dans j'ai comme un, un, une maîtrise en antiquité québécoise ah oui? parce que j'ai animé une émission pendant plusieurs années sur Historia qui s'appelait Passion Maison qui était des gens qui euh, qui, qui ramenaient en vie des maisons abandonnées ancestrales remplies de meubles antiquités. Wow. et 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 et, et, la, et mon gourou qui m'a initié puis qui m'a enseigné l'antiquité me disait toujours un faut que tu achètes le bon morceau qui va prendre de la valeur. Et deux, il faut que ça serve. OK? Donc, tu n'accumules pas des vieux coffres, puis que ça ne sert pas. Et, et, et les cartes, c'est la même chose. Ce que, ce que je t'entends, c'est que tu vas. Moi, j'ai moi, des coffres chez nous, je les regarde, je sais d'où ils viennent, je sais où je les ai achetés, je connais l'historique, euh, je, je connais l'âge, l'époque, puis euh, il y a une histoire au travers de ça. C'est ça que j'aime. Alors, moi, pour euh, revenir. Euh, à, mon, à mon, ma première, mon premier objet, je vais te donner une photo. J'espère que je vais la retrouver tout de suite parce que j'ai fait le bordel quand j'ai <laughs> amené tout ça. Non, non, je l'ai quelque part parce qu'il y a. OK, oui, je l'ai ici. Je vais te donner une photo. Je te la donne. Si tu veux, tu veux la montrer, je ne sais pas plus précisément. OK. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Tu peux la décrire? Ben, C'est une équipe de balles ouais. euh, qui, ont, qui ont des uniformes qui ressemblent un peu, là, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, qui ressemblent un peu euh, aux couleurs des. Euh, aux couleurs des. Euh, comment ça s'appelle maintenant l'équipe? Les, les Commanders de Washington. <laughs> euh, ou des 49ers de San Francisco. Là, je ne sais pas si je peux vous montrer. On peut zoomer à la okay. caméra ici. Alors, ça, moi je suis à Sainte-Adèle. OK? Et c'est mon équipe, puis oui. Moi, je suis là-dessus, là-dessus, là. Toi, tes celui tu... en bas à droite? Euh, le petit les petit cheveux blancs? Le blanc. ouais. C'est toi, ça. OK, moi, j'étais un lanceur. Ouais. Et, euh, et... là-dessus, il y a un autre joueur qui habitait Saint-Adèle, et le nom va te, va, va, va te rappeler, c'est sur euh, quelque chose. C'est Stephen Brofman. Es tu es sérieux? Ouais. Attends que je vais te le montrer. tes sérieux? Là, j'étais obligé de tenir le micro. Faut que je mette mes lunettes parce que... Attends, okay. <laughs> Tout le monde a Ok. Euh, moi, je suis ici. Ouais. Et euh, Stephen, Stephen, Stephen Brothman, il, il est là. Le... Euh, troisième, troisième à partir de la côte. Dans le milieu, là. Attends, okay. je vais vous le pointer à la caméra comme c'est ici. Voilà, vous en boire. bas de ton doigt, c'est ouais, ça. Donc, parce que M. Brophman habitait Saint-Adèle. Je pense qu'il demeure toujours là où ils ont des propriétaires tremblants. Ça se peut. Ouais. Mais sa maison principale est à Saint-Adèle. Euh, Charles Brophman, qui est propriétaire des expos, nous emmène voir un match des Expos. Donc, mon équipe, là, ça, c'est les Dodgers. De, on ne joue même pas pour les Expos, on joue pour les Dodgers de Saint-Adèle. Les Dodgers et, de Saint-Adèle. Et euh, M. Braffman nous amène voir un match. Bon, là-dessus, j'ai euh, là 11 ans. C'est Pee-wee. Pee 11-12 ans. Et on, il nous amène au pac Voir un match... Et on est première rangée en avant. Ah oh, oui. Okay. Et là, là Est-ce qu que avait... c'était ton premier match? Oui, tout à fait. Et là, moi, mm -hmm. le souvenir que j'ai, c'est qu'on était là. Batter, batter, batter! Swing! Puis quand il se dans le beurre, on était sûr que c'était à cause de nous autres. T'sais. Fait qu'on riait comme des malades. C'est le souvenir que je me rappelle. Et à la fin, M. Brothman nous a remis chacun une balle signée wow. par l'équipe. Et je l'ai ici. Ben voyons. Ouais, okay? Ça, c'est la balle euh, 73. Est-ce que c'est au moment que Suki était la, la mascotte de bon, l'équipe? Ça, ça, tu m'en demandes pas mal. Je m'en rappelle, <laughs> rappelle pas. OK. Alors, je ne sais pas si tu es capable de lire certains noms. Euh, J'ai Allen ici. Euh... Humpley. Attends un petit peu, j'essaie de trouver des noms. Larry. Larry Doby. Larry Doby, que? oui. Ron Woods. Oui. Tony. Attends, je vais je Tony c'est quelque chose. Uh, Ronnie Allen, Bernie Allen. T'as Boots d'idées. l'autre panneau, l'autre panneau, est plus facile. Non, l'autre, uh, oui, celui-là, celui-là, celui il est plus facile. Uh, non, ça, c'est celui que j'avais. Là-dessus, t'as Ron Hunt, t'as Boots Day. Philippe Allou. Philippe Allou, joueur, évidemment. Ouais. Le coach, Gene Mock. T'as as Bill Stoneman, lanceur. Euh, donc, Steve Rogers. Steve Rogers, rookie. Oh, ouais. Rookie première année. Wow. Donc ça quelque part ça a été, euh, ça a été mon premier euh, objet de collection. Et à un moment donné je fais un show, je suis demandé pour faire un show pour les expos, euh, les joueurs, la famille, tout ça. Fait que je fais un show euh, et là on me donne une balle signée par l'équipe. Donc j'avais deux balles et là je trouvais je trouve que c'est des je trouve que c'est des, des beaux objets. J'aime ça, ça veut ah dire oui. qu'il y a 30 gars qui ont pris le temps de mettre la main là-dessus et de signer, puis qui se sont appliqués, parce qu'aujourd'hui, les signatures, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est des belles signatures, puis moi, 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 je les reconnais euh, parfaitement. T'sais, Bill Stoneman, Larry Ron Woods, euh, Ken Singleton. tu t'as raison que à, à, dans ce temps-là, les joueurs s'appliquaient énormément pour signer leur nom au complet. Exact. T'sais? Euh, ce qu'on voit moins aujourd'hui, quand on regarde par exemple les cartes Bowman au baseball, parce que là tu vas me dire il y en a tellement signé mais c'est rare qu'un joueur prenne le temps d'écrire son nom complet. On va essayer de trouver un, une espèce de, de, de signature qui est très très hey, courte. J'ai vu là. sur Facebook l'autre jour, je ne sais pas si c'est comme un joueur, je sais même pas c'était qui, là, il y avait comme à peu près 200 cartes devant lui, là, puis il pogne son crayon, puis il paf. Puis... Oh, oui, c'est ça, t'sais, exactement. C est, c est Bref, alors là, je me suis dit, Greg, je me suis dit mon dieu, ça me donne le goût de connaître l'histoire du baseball au Québec. Et là, j'ai commencé à lire sur les royaux, l'histoire des ouais. royaux de Montréal qui ont commencé euh, fin 19e siècle. Euh, et et, et, et c'est une histoire absolument extraordinaire. Et là, je me suis mis à chercher des objets, des antiquaires. On n'avait pas Internet à ce moment-là. Et là, je me suis ramassé une dizaine d'objets. Le musée McCord venait d'avoir un succès avec, avec une, euh, une exposition sur l'histoire du hockey euh, du Canadien. Et là, je suis allé les voir et j'ai dit, j'ai une idée pour vous autres. On va faire une exposition sur l'histoire du baseball. Il okay, a dit, idée. parfait. Et il dit, dit, -tu, tu des artefacts. J'ai dit, oui, j'en ai dix. <laughs> j'ai dit, donnez-moi sept ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donnez-moi sept ans. Je vais vous bâtir une collection sur l'histoire du baseball. Ils on dit ok. On a fixé des dates dans le calendrier. Ça, on parle de quelle année Environ. Euh, c'est à peu près 2000, 2000, 2005 à peu près. Ok. Donnez-moi 7 ans. Et là, moi, j'avais toute une stratégie. J'ai dit par contre, ce que je vais vous demander, c'est que une partie des entrées. Des gens euh, pour venir voir l'exposition vont être remis à une fondation. J'avais une idée derrière ça. Ils okay. ont dit parfait, on fait ça. Alors là, j'ai approché RDS, le journal de Montréal, avec Toto Gingras à l'époque, et RDS, j'ai dit voici mon projet. On va ramasser de l'argent pour une fondation et je veux bâtir une collection. Je veux que les gens qui ont des artefacts m'appellent. Je me prends un numéro de téléphone et là j'avais de la pub à RDS pendant la grosse année Schumacher Villeneuve parce ah, que ouais. eux ils ont des spots de libre ils donnent ça à des causes ouais. fait que, fait que ma, ma, mon spot de télé passait pendant les, 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 la course c'était vraiment hot ça c'était l'année que Jacques a gagné exact donc c'est 97 ça commence à 197. exact pour pouvoir sept ans Ouais, 2004-2005. Et là, Toto Gingra m'avait donné de la pub dans le journal. Et, euh, et si vous avez des artefacts, appelez tel numéro. Et j'avais fait quelques émissions de télé. Et là, j'ai, n'as pas idée ce qui m'a passé dans les mains là, en termes d'objets que les gens avaient chez eux euh, qui, qui possédaient. Et moi, je ne demandais pas des dons. Moi, j'avais un budget et on a tout acheté. Et on a fait une exposition qui est absurde, qui était un, un succès fou, qui était d'une... Euh, euh, au-delà de ce que j'aurais souhaité. Voir, tu sais, des contrats, des royaux, euh, des artefacts de Jackie Robinson, de Roy Campanella, Roberto Clemente, euh, les expos. Euh, à un moment donné, je m'en vais dans un... je m'en vais à Joliette, dans... c'est un, un, une, une femme qui m'appelle, une dame qui m'appelle, elle me dit... Elle dit, j'ai des chandails chez moi. Elle dit, ça vient d'un restaurant qu'on avait qui a passé au feu. Elle dit, venez voir. Fait que là, je m'en vais, je descends, Joliette. Et elle avait, entre autres, le chandail de Claude Raymond quand il avait joué avec les Braves. Wow. Avant les expos. Ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire, son mari du restaurant, il avait demandé à, à, à certains joueurs d'avoir des objets pour qu'ils puissent les mettre sur son mur. Claude avait volé le chandail, puis il avait donné. Mais il ne s'en rappelait plus de ça, Claude. Et euh, il pensait que ça avait passé au feu, tout ça. Et j'ai récupéré ce chandail-là. Claude avait été euh, notre, euh, notre, notre ambassadeur de l'exposition. Et à la conférence de presse, je lui ai remis le chandail. Il, Comment il a réagi? Il, ben, il, il, était, il était sous le choc. Ah ouais? Vraiment, parce qu'il ne pensait, pensait pas que le chandail. Parce qu'il n'avait pas le droit, à l'époque, les, les joueurs, de garder le chandail. Parce que les chandails s'en allaient dans des équipes mineures. Puis le Québec a une histoire riche en baseball aussi. C'est Jean-Philippe Bertrand qui me disait ça. Tellement. Que les, 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 les équipes de la MLB avaient leurs équipes, euh, leurs équipes fermes, là, leurs clubs fermes, Bien euh, au Québec ici. Ben, C'est-à-dire que Brooklyn, le, 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 Brooklyn avait son équipe qui était les Royaux. Ouais. Donc tous les grands joueurs qui ont joué pour les Dodgers. On passait par ici, tu sais, La Sorda, Clemente. Il y a une histoire. Si vous lisez sur Roberto Clemente, personne ne sait que Clemente a joué ici. Moi, il je était, savais pas il mal était mal. caché. Ils sont allés le chercher à Porto Rico. Ils l'ont fait jouer ici parce qu'il n'appartenait pas à aucune équipe. Brent Schwicky, qui était le directeur de, de, des Dodgers et des Royaux euh, en 1954, avait été chercher Clemente. Il ne faisait presque pas jouer, mais toutes les fois qu'il embarquait sur le terrain, c'était c'était il avait, il avait, un très grand joueur non, et là, 55, ouais. le draft est arrivé et Brent Rickey est devenu directeur de Pittsburgh, des pirates de Pittsburgh et quand le choix au draft est arrivé, ils ont choisi Clemente c'est pour ça que Clemente est allé à Pittsburgh au lieu d'aller à New York. Là, tu une casquette des pirates. Est-ce que tu es un fan des pirates de Pittsburgh? Pas du tout. Non? OK. Pas du tout. <laughs> tu es comme <laughs> moi, tu un peu guidon. <laughs> moi, là, moi, non, moi, j'ai comme. Une casquette des pirates? Non, c'est parce que c'est un, un tournoi de golf, le tournoi de Serge Savard, que j'ai participé. Euh... Ah, je pensais que c'était le P des pirates, non, Colin, Nabine. Euh, c'est euh, une très belle casquette. C'est Merci. Non, c'est un P pour. Euh, c'est quoi? C'est euh, des vêtements de golf? Pas Prince. Ping? Ah, oh, ça se peut, Prince? Prince oui, Bing, pas mal les deux. Patate. Euh, pas pa <laughs> okay. Alors, on est, rendu, on est rendu, Donc, le musée, le musée, les, les objets ont été exposés, exposés pendant un an. Et à la fin, moi, mon but c'était de bâtir une exposition, une collection, pas qu'à chez nous, de la donner au musée pour que ça reste dans le patrimoine québécois. Et j'ai remis toute la collection à la fin. Euh, tout, tout ce qu'on a acquis a été donné et là c'est, je stresse parce que ils sortent pas. C'est dans les voûtes, c'est protégé, oui, mais euh, on, on peut presque plus les voir. Là, non, ça aurait été bon, euh, par exemple, dans la discussion du retour du baseball à Montréal, d'avoir ça. Euh, là, on sait que la, la discussion est, est terminée, là, présentement, à tout le moins. Même si ça fait mal au cœur de voir les, les plans de stade euh, qu'il y avait à Montréal. À Moi, je reste à Griffintown en plus. Ça aurait ah, été oui. fabuleux d'avoir de, 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 ça là. Euh, pour rester sur ta sur, sur ta sur ta collection, tu te dis Greg, si tu voyais les, les items qui me sont passés dans les mains, y en as-tu un ou deux auxquels tout de suite tu penses? Puis tu te dis celui-là, là, lorsque j'ai vu que j'avais ce, ce, cet item-là dans les mains, les, les genoux m'ont plié, par exemple? Oui, il y a une, euh, une famille qui m'appelle, elle dit On a un cadre dans le garage qui est là depuis 50 ans. Si vous voulez venir le chercher, venez. C'était... Et là, j'arrive là. C'est un cadre à peu près un peu plus gros que la télé. C'est quoi ça? C'est une 55? Une ouais, cinq. à peu près. À peu près. Un peu plus gros que ça. Un cadre de bois absolument magnifique, mais qui, qui avait pogné l'eau un petit peu à la base, donc qui commençait à pourrir. Et euh, à l'intérieur de ça, c'était la photo d'équipe. Du, des Royaux de Montréal en 1892, Seigneur. avec des photos individuelles. Et il avait gagné le championnat cette année-là et c'était peint à la main autour de ça. Champion de la Ligue, c'est absolument. C'est un œuvre d'art. Et, et c'est sûr que ces pièces-là, j'aimerais ça les avoir aujourd'hui. Je suis content qu quand même que, que c'est bien protégé. Et ils ont tout restauré. Euh, le, 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 la base, ils ont tout refait ça, euh, protégé contre la moisissure. C'est une pièce là, euh, folle. J'ai eu euh, un, le contrat de Roy Campanella. Euh, Roy Campanella, qui a été le, le deuxième, euh, il y a eu Jackie Robinson qui a joué en 1946, ouais. le premier noir. Après ça, tu as eu Campanella en 1947 qui a joué pour les Royaux, qui était receveur, qui était une, une grande vedette pour les Dodgers et qui a eu un accident de voiture, puis qui est devenu paraplégique par la suite. Ouais. Euh, j'ai eu euh, des... des euh, j ai, j ai, ben, en fait, j'ai retrouvé l'uniforme de Jean-Pierre Roy, qui a, en 1945... Euh, qui qui était un des, des, des trois Québécois à, à jouer pour, ouais. les, pour qui a joué avec Jackie Robinson, qui était avec la même madame dans l'incendie euh, dans le restaurant Joliette, et qui avait ce chandail-là aussi. Euh, des balles signées, euh, une balle signée des royaux en 1946. Et ça, c'est l'année de Jackie Robinson, comme si elle avait été signée hier. Incroyable. Attends. <laughs> Attends. Est-ce que tu savais. Que Babe Ruth était venu jouer un match à Montréal. J'ai entendu parler de ça. Oui. J'entends, mais pas assez pour te dire oui, mais il me semble que ça me sonne quelque chose. Là. OK. Babe Ruth est venu jouer un match d'exhibition à Montréal. Euh, C'était au, st au stade Atwater, qui est à côté du Forum, en 1926. OK. OK. Et il était, il était lui et un, un autre joueur. Qui s'appelait Choc. Parce que j'ai vu, je ne l'ai pas acquis, mais j'ai vu un programme signé par les deux de cette année-là. Mais il est revenu en 1928 avec Lou Gehrig, jouer un match d'exhibition à Gatineau et à Montréal. Et j'avais une balle signée par l'équipe qui a joué avec, avec Gehrig et Babe Ruth, le chapeau du maire sur une photo que Babe Ruth a mis sur sa tête. Ben oui, on a... Et une photo magnifique de cette journée-là. Ça, c'était... Écoute, je... il, y a, il y a des objets à Montréal de Babe Ruth qui existent. Moi, j'en ai vu trois. Mais il y en a, c'est sûr que ça, incroyable. ça existe. tu incroyable. Quand, quand tu appelles ça des... C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui parle d'artefact. Mais ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment ben oui, ça. C'est un morceau d'histoire. Une carte signée là avec, avec un morceau de chandail, c'est un artefact, ça, là. C'est une pièce de chandail. As une, Ils sont pièce... juste tellement modernes qu'on les voit pas comme telles. Exact. Oui, mais tu as, as sûrement des cartes de Babe Ruth avec des bouts de chandail aussi qui existent. Euh, ça, c'est une question à poser à Yannick. Je ne le sais pas. Ouais. Je sais pas si à ce moment-là, on faisait ça. Non, -ce non, mais il que... y a des chandelles qui ont été achetés dans ouais, les 15 dernières années et qu on on qui ont été fait... découpés. Là. Là, je sais qu'on a sorti sa, sa Bowman. Il n'y avait pas, de... Il y avait pas de, 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 de patch dedans ou quoi que ce soit, là, ou jersey. Mais euh, c'est une très bonne question. Tu sais, mas une question, toi, au oui, niveau émotif? Okay. Est-ce que tu penses que de prendre un chandail, une pièce historique, mettons les, les, un chandail de Blue de dans ce cas-là, qu'on découpe en morceaux pour faire euh, 200 cartes, est-ce que tu es plus en faveur de ça, qu'on détruise un chandail qui est une pièce d'histoire, qu'on en fasse, qu'on qu fait participer. 200 personnes avec cette émotion-là. Ouais. Tu, sais, tu me comprends-tu? Ben oui, je te comprends. Puis, euh, la question. Tu as entendu mon soupir? La question est pas facile. La question est pas facile parce que, effectivement, oui, c'est une pièce unique. On l'a vu avec le documentaire Golden là, sur, sur Netflix ouais. où est -ce que, ces chandelles-là se vendent des millions et des millions de dollars. Oui, c'est une pièce de collection unique, mais de la séparer avec 200 personnes qui ont un petit morceau de chandail là T'sais, moi, je suis bien, bien, bien ben hein? partant pour ça. T'sais. Ouais. Comme on l'a fait avec les, les recrues au baseball présentement, je sais pas si tu as vu ça, mais le, le fameux morceau sur leur chandail, MLB debut de leur premier match, a été mis dans les cartes recrues cette année. Euh, mais t'sais, en même temps, c'est un, un, un gros débat. Moi, j'aurais tendance à te dire oui pour le côté, justement, il y a 200 collectionneurs qui peuvent en profiter. Ce sont vraiment des pièces uniques. Ou l'autre bord de dire non, c'est une pièce d'histoire qui peut pas être touchée. Mm. C'est comme ici les édifices patrimoniaux à Montréal. C'est comme euh, dire tant qu'à ça, tu vas-tu défaire la joconde la mettre dans 200 parties? Euh, c'est difficile. T'en en penses pas quoi, toi? Moi, je garderais ça intact. Parce que moi, j'étais un gars d'histoire, moi, je suis là pour que la, la pièce soit dans son, dans son authenticité, t'sais. Que c'est ce chandail-là qui, 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 a porté, t'sais, qui l'a porté, avec laquelle il a joué. Ouais. Je suis plus pour ça. Mais en même temps, toi, tu étais un gars de carte. Fait que tu as ce côté-là d'avoir la carte, puis d'avoir la... Je sais pas. Je sais pas. Mais d'ailleurs... Mais j'avoue que dans le cas de Babe Ruth qui est un icône du sport, du baseball, du sport aussi, qui est, qui est plus grand que le, le, le baseball en soi, il y a tellement plus de chandail de lui que si je regarde par exemple cette année, on a sorti des nouvelles cartes de Wayne Gretzky avec un chandail des Oilers qu'il avait porté lui-même. Il y en a d'autres des chandails de Wayne. Hmm. des chandails de Jackie Robinson, des chandails de Babe Ruth euh, pas des et portées comme ça il n'y en a vraiment pas beaucoup hmm. t'sais, alors je pense que ce serait un, un sacrilège de, de défaire une, une pièce comme ça mais en même temps je dis, si 200 collectionneurs peuvent avoir accès à ça c'est intéressant aussi ouais. mais le prix ne ben, baissera pas non plus c'est à dire que ce chandail là ça vaut combien par exemple, hmm. divisé par 200 quand même pas achetable pareil là, exact, t'sais. exact Puis, T'sais, quand on revient dans la, dans la philosophie de collection, euh, j'écoutais. En tout cas, bref, je vais juste finir le musée. On a, on a remis la collection. La collection est là. et euh, J'espère que. Mais quel accomplissement! Non, mais je suis content d'avoir fait ça. Euh... Ça devait être tout un trip. C'est un bel accomplissement, mais pour toi, ça devait être tout un trip aussi. Là. Ah, mais moi, c'était de me retrouver chez les gens puis qui me racontent. Ah. Qui me raconte. Moi, j'étais, je me suis lié d'amitié avec Camille Desroches, de, de, de dire. Non. Camille Desroches, c'était le chantal Macabé okay. du, du temps de Maurice Richard, okay. du temps des Royaux. Et il dans, dans le temps des Royaux, il travaillait pour la presse canadienne. c'est un journaliste. Puis il est devenu relationniste pour le Canadien de Montréal. Et lui, il avait plein de choses chez lui. Et il était très, très proche de Jackie Robinson. Et, euh, et, et moi, j'allais dans son sol. Rempli d'affaires. On jouait au domino. Puis je disais, Camille, dis, racontez-moi des histoires. Parlez-moi de ça. Tu sais, puis il me racontait euh, euh, des histoires sur Maurice Richard, des histoires sur. Incroyable. Tu si tu as vu le film euh, 42 Jackie Robinson, il m'avait tout compté ça déjà, là, que Robinson, euh, des fois, il ne pouvait même pas aller aux toilettes à la même place que les Blancs. Euh, et. Euh, et, et, et et il avait entre autres, il me l'a donné, parce que je l'ai remise au, au, au musée, une lettre que Jackie Robinson lui a envoyée lors du camp d'entraînement euh, en 1947, l'année suivante de Montréal. Il lui a dit Si je ne fais pas l'équipe, ce serait... Il n'y aurait aucun problème à ce que je revienne à Montréal, parce que j'ai été tellement bien accueilli par... Euh, la population ici. On quand, ils ont gagné la petite série mondiale puis on, ils l'ont ils, ils pris au bout de son de, de, ouais. des bras. Ils l'ont sorti du stade. Euh, C'était une star. D'ailleurs, je t'ai amené une photo ici dans ma collection qui est très particulière. Euh, si tu regardes ça. OK. C'est Jackie Robinson. Qu'est-ce qu'elle qui... qu qu a? En arrière, c'est Camille. C'est Camille Desroches en arrière. Camille, là, de Rush, en arrière là. OK. Et sur tu... la photo, c'est lui. Euh, mais non, 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 en arrière. En arrière, la photo, en arrière la avec photo, le ballon de euh, football. Parce qu'elle vient, vient de là. Mais qu'est-ce qu'elle a de par... qu -ce que, qu -ce que Quelle émotion tu, tu, cette photo-là t'apporte, Greg, de particulière? Pourquoi pour moi, est pour... elle est spéciale, cette photo-là? ben est-ce que c'est parce que c'est Jackie Robinson? Il, il reçoit le, 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 le traitement. Là. Vous pouvez voir aussi, comme un traitement de, de massothérapie ou d'un physiothérapeute ou quelque chose comme ça. Euh, droit. Parce que c'est un joueur noir qui a le Mais droit au même traitement à ce moment-là que ses coéquipiers? C'est par un blanc. Tu comprends? Fait que tu vois-tu que ça, n'aurais pas vu ça ailleurs. Là, t'sais. Nous autres, ici, au, au Québec, on a, on a cette, cette ouverture-là cette ouverture, oui. par rapport euh, aux immigrants. Et, et, et ça, pour moi, c'est le début... C'est le début d'une ouverture dans le monde du sport. T'sais, le premier noir à jouer là, avec des blancs, ce n'est pas aux États-Unis, c'est au Québec. Mm. Et c'est pour ça que Branch Ricky a amené, euh, a, a, a décidé de tenter sa chance parce qu'il savait que le Québec, on aurait un accueil pour cet euh, athlète-là. Un, un patrimoine dans lequel il faut... Euh... Il faut, faut être fier de ça. Bien, tout ouais. à fait. Et moi. On a bien des raisons de chialer sur. <laughs> <laughs> oui, ouais, mais non, mais, okay, non mec, mais. Non, mais ça, c'est que, quelque chose. Bon non, mais c'est pour ça qu'on est on a une, on a une terre d'accueil euh, de fou ici. Et. Euh, on parlera pas de politique parce que ça, ça ouvre une porte. Non, on tombe tombera mais, pas là-dessus. Mais ça, ce que je t'ai montré, m'a. Euh, après avoir vécu le baseball, une fois que j'ai tout donné, j'ai vidé ma maison. Tu sais, parce que euh, tu sais que nous, les collectionneurs, on est, on est, on est, on est des malades mentales. Tu sais, ah oui. On, hein, tu sais est malades mentales. Juste que tu me dis là, tu sais, ça me fait penser à moi qui étais un peu excessif dans mes projets, dans mes affaires. Puis je me dis, je vais aller jusqu'au bout, puis tu sais, tu, 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 toujours avoir. On n'est jamais content. Euh, C'est ça, exactement. Tu sais, toujours. Euh, comment, comment, euh, c'était euh, <laughs> Bruce Lee qui disait ça? Euh, euh, soit, soit content, mais jamais satisfait. <laughs> euh, on est un peu de même, mais euh, ce projet-là. Le musée McCord, c'est un peu ça. Mais Ça m'a guéri. ça de façon. Ah, ça t'a guéri. Ça m'a guéri. Ben, je t'explique, Greg. C'est que quand tu es un collectionneur, collectionneur et excessif, ça va ensemble. Ah, 1200 c'était okay? si un vrai collectionneur, tu es excessif. Parce que souvent On est fou. La pièce qui t'intéresse, pas celle que tu as la prochaine, que tu t'as pas. Ça. Tu veux toujours avoir la suivante. Et, euh, et, et moi, je l'ai vécu euh, là-dedans parce que j'accumulais, j'accumulais, puis je me suis ramassé à un moment c'est que la part était. C'était fou, mais j'avais un plaisir quand même à, à regarder telle affaire puis à documenter tout ça. Mais, mais c'était trop. Alors quand tout, tout est parti, ça a fait oh, oh. Puis quand, quand la balle que j'avais achetée dans un. qui venait d'un tiroir chez un monsieur puis qu'on la retrouvait dans une vitrine avec un éclairage, avec une petite carte en dessous qui donnait l'histoire. – Ça m'aurait découvert ces objets-là. – Oui, puis, puis, puis jamais ça n'aurait eu cette ampleur-là chez nous. Tu sais. Et là, j'ai atteint vraiment le maximum d'émotion de, 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 au travers de ma collection que je voyais là, puis je faisais « waouh, c'est correct, je l'ai faite ». Puis là, ça repartit. C'est ça. Parle-moi de ta philosophie à toi, de ce que tu as... Là, il y a des photos, as ouais. des balles. Euh, là, tu m'as amené une petite partie de ta collection. rien, mais, mais, ah. mais, mais, mais ce que j'ai choisi, ce que choisi ça, ça rentre dans la philosophie. De, 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 de ce que je collectionne, où je te dis c'est entonnoir, c'est orienté. Euh, comment a, tu l'orientes Il y en... a trois affaires que je collectionne. OK. OK. Que, que j'ai recommencé à, à accumuler, mais pas en folie. Tu sais, je me promène, je m'amuse là-dedans. Là. Je, je recommence à, à chercher des objets C'est Royaume-Montréal, mm -hmm. OK, avec Jackie Robinson, qui est presque pas trouvable. Euh, j'ai euh, euh, sur, euh, sur Ken Dryden. OK. Parce que Ken Dryden... Ouais, J'en vois une là. Ouais, mais attends, attends, attends on va, on va pas trop vite, là, parce qu'il y a un punch. <laughs> Ken Dryden... J'ai vu une carte signée. Ken sais, Dryden pas? est inaccessible. OK? Il, 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 il signe pas tout ça. Et, et, et il a beaucoup de valeur auprès des collectionneurs. Ouais. Et euh, c est, c est, c est, sa carte recrue vaut très cher. Euh, et, euh, et la troisième chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le 1-de-1. OK. Parce que les 1-de-1 sont totalement... Inaccessible. On le sait, à moins de tomber dessus par ah hasard. Oui. On ne on, on peut pas les acheter, parce que c'est où les plus riches ils les achètent. Puis deuxièmement. Euh... Puis quand ça sort, tu ne veux pas manquer ta chance. Donc tu vas mettre tout ce que tu as, peut-être même payer plus est ça. pour l'avoir. La, pour Puis tu ne l'as pas. T'en as-tu une d'un, toi Moi j'en ai une. Laquelle euh, Là, c'est drôle parce qu'on est on est tellement. On, on est dans le même monde de collectionneurs, mais. Toi, tu es dans le, dans, dans le vintage, dans des objets, dans des artefacts. Euh, moi, c'est... du hockey moderne. Euh, ouais. J'ai pas beaucoup. Là, je, je m'économise pour m'acheter la 79 Gretzky. Un jour, je vais tomber en amour avec une de ces cartes-là je vais vouloir en avoir une. Euh, mais c'est la une de une, la Future Watch Auto Patch jeune défenseur des Kings, Brent Clark. C'est lui. c'était écouté le, le, le podcast tu sais ouais. que c'est lui que je collectionne ouais. le plus. Euh, puis c'est celle-là que j'ai. Okay. Les gens savent tellement que je collectionne Brent Clark que c'est deux, trois gars qui m'ont envoyé ça euh, en me disant écoute, ça, ça te prend absolument cette carte-là. Puis finalement, j'ai négocié, je l'ai eu. Puis le lendemain, il y a un autre, un, un, un gars qui crée du contenu en anglais sur des cartes qui est absolument euh, fabuleux de mes bons amis, qui dit je suis sûr que c'est toi qui viens de l'acheter, mais j'essayais d'aller la chercher pour dis... la... ah enfin, il voulait y nice. aller si je si je l'avais pas, c'est une question d'heure, c'était lui qui l'achetait. Pour lui-même ou pour toi Pour lui-même, okay. pour lui-même. OK. Eh ben, moi des 1 de 1, j'en ai bon comme je ne suis pas tellement dans la carte, je j'en je, je, ai pas, mais j'ai décidé de m'en créer. Okay. C'est ça, ça que je voulais partager aujourd'hui un petit peu puis je, je reviendrai pour te parler d'autres affaires là, mais, mais Alors, ça, écoute, on a, ça on a tellement d'affaires à euh, on est déjà euh, On est à combien là On est à 37 minutes. Parfait, OK. Alors des un de un j'ai décidé de m'en créer moi-même. Et là, j'ai réussi à acheter une collection d'une dame qui est décédée qui euh, qui elle avait allait prendre des photos des, des athlètes, des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, des artistes, dans les années 60-70, et elle retournait pour faire, elle allait faire développer les photos, puis elle retournait les faire signer. Wow! fait que ça, c'est deux, c'est trois étapes, ça. Je te prends en photo... Je vais ah. développer. Bon, la, je, bon, je vais l'amener à je ne sais ouais. pas c'était où, au, au Kodak, la, chez Kodak à l'époque. Tu ramasses la photo et là, tu souhaites revoir le, 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 le joueur pour Quel lui faire processus. Signer. ok Et ça, la dame avait ça. Mais j'ai acheté toute la collection de photos qui ne sont pas signées. Là. Donc, j'ai une collection de photos du forum, de, de, du, du, du Tadjari, euh, des, des artistes, de, de Jacques Brel à, à Fernandel, à, à Rusty Stubb. Euh, ça va partout, là. Et, et je me fais mes propres un-d'un. Un. Je t'en ai apporté quelques-unes de ben, la dame. Et je vais te montrer après ça où je m'en vais avec ça. Alors, si je te montre, regarde bien ça. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est Rusty Stubb qui a été la première grande oui. vedette de baseball oui. pour les expos. Donc, c'est Rusty Stubb. C'est une photo, euh, qui, une seule, qui est signée par Rusty Stubb. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Bien, ça l'est magnifique. Je ne sais beau. pas si. Attends, je vais essayer de le montrer à la caméra ici. Voilà, vous voyez la photo de, de Rusty okay. Stubb ici. Et... Oh, attends, attends, regarde sur ce plan-là. Que tu vas à la oh, je pense que tu vas réussir à la voir. Je pense que tu vas réussir à la voir, Donc c'est, moi je trouve ça, je trouve ça. J'adore sa signature. Que... C'est la première ça, fois que je vois une signature de Rusty Stubb. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ok, alors ça. Puis si tu vois, euh, okay. je vais t'en sortir. Ok, on t'en sortir. Bon, elle allait, la, la dame allait souvent euh, voir les joueurs dans des tournois de golf. T'sais, souvent mettons, il y avait des, 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 des tournois d'invitation pour des fondations. Oui. Fait que ça. Donc, attends un peu. Là. Donc, elle a pris la photo, elle l'a fait développer, faire retourner le voir. C'est Bobby Orr? Ouais. Malade. Wow. Quelle coupe de cheveux aussi de Bobby Orr? Mais ça? Ça, on a un collectionneur qui est, qui, qui, qui est avec nous, qui est un de nos membres Patreon, qui est, je crois, le plus gros collectionneur de Bobby Orr vrai? sur la planète. Ouais. Je pense qu'il y a comme 250 cartes signées de lui. Quelque chose de même. OK. Collection wow. fou, là. OK, il achète tout. Euh, presque tout. Et ça, tu vois, ça, c'est une photo. Il n'y a pas de négatif. C'est la seule photo. Donc, c pour moi, hey, c'est un 1-1. C'est un un. là, là. Euh, Tiens, je te parlais de Ken Singleton. Regarde, c'est beau, ça. Ça, c'est en couleur. C'est beau, ça? Hey, Ken oui. Singleton qui a, été, euh, qui a été changé. La qualité euh, de la photo. La montre ici. Incroyable. Pour ton gars qui collectionne les gardiens de but. Rogi Vachon. C'est beau, ça. Avec les Kings. Hey quel... Wow! Mais, mais c'est le fun, là, tu vois. C'est la, la seule le, photo. Chandail, le chandail original des Kings. Exact, exact. La fameuse, euh, la fameuse couronne. Fait que moi... Là, je... tu, moi... Parles, euh, tu parles à un, un gars des Kings, par exemple. Ah ouais, tu c'est Wow, wow, wow. Ben, écoute, si tu veux... Si tu si t'aimes ça, je vais regarder dans la boîte, tu me le diras, puis il sorti des photos des Kings. Comme Gassien Vachon, il, il, des fois il vient à Montréal, puis en tout cas bref. Ben, je te dis, moi j'avais ben, dans ma série de photos j'avais ça. Cet été j'ai participé à un tournoi de golf où il y avait euh, des joueurs du Canadien, euh, fait que j'ai amené cette photo-là parce que je l'aimais beaucoup, puis je l'ai fait signer par les deux. C'était ouais. ma, ma prochaine question. Est-ce que toi tu as réussi à en faire signer dans ben, la collection Ça c'est Larry Robinson, puis ils, ils vont les deux, avec Guy Lafleur. Ouais, Guy qui, qui est sur la été. photo. Ouais. Fait que je trouvais la photo intéressante. Puis. Euh, Qu'est-ce que les gars t'ont dit en signant la photo, par exemple Yvon et, ben, euh, Ils Larry vont et. Il, ben ils vont. Ben euh, ils on, on se croise. On se croise souvent dans des événements. Euh, et, euh, Larry Robinson, j'avais envoyé le Marshall. <laughs> ai voilà. donné la photo à, au Marshall qui se promenait. J'ai dit, peux-tu aller faire signer ça à Larry Robinson Puis parce que moi je suis très, timide. moi je suis super timide. C'est euh, dur, hein. Moi. Il y a comme une anxiété qui arrive tu sais, par. Je trouve ça drôle que tu dis ça parce que tu es, es une personnalité publique. Des autographes, t'en as signé dans ta vie innombrables, c'est sûr. Et ça me fait plaisir. Ben, c'est ça, es ça content de faire ça. Mais toi, d'aller voir quelqu'un. Tu as de... l'impression de déranger. Il ben, y a des gars qui, eux autres, ça les dérange pas en tout. Tu sais, je dis, hey, moi, mettons, ça, ça me rend. Ça me rend anxieux ou ça, tu sais, ça me, me stresse, je suis mal à l'aise d'aller voir un, un, un joueur, d'aller voir un artiste puis de demander une photo ou une, mais. Si quelqu'un, écoute, j'ai dû prendre cinq photos dans ma vie, signer deux autographes à peu près, mais ça fait tellement plaisir quand tu te le fais demander, puis on savait à quel point Guy ça lui faisait plaisir. Tout à fait. Et tous les grands comme ça. C'est vraiment drôle d'avoir cette relation-là, de dire je trouve ça drôle, on pense pareil comme ça, moi aussi. J'ai vraiment de la misère. Je me promène, je vais voir des joueurs de la Ligue nationale. On a un autre podcast aussi qui s'appelle Les Visiteurs, je me promène partout, puis. Je me dis, est-ce que je pourrais demander, avoir le chandail comme ça, de le signer, quoi que ce soit. Genre, je me dis, mande-le aux gars, ils vont te le faire. Ouais. Ça, ça leur fait plaisir. Bien sûr. Je suis... Incapable de le demander. Ouais. Incapable. Ben, tu sais, c'est. Tu sais, je te donnais l'exemple de Ken Dryden. Toi, tu, par, tu, tu tu parraines une fondation. Tu, tu donnes de l'argent à. à... On, on, on donne de l'argent à ben des fondations. Bon, ben, moi, on moi, aime ça faire ça. moi, j'en parraine une petite fondation dans les cantons de l'Est, une, une, une dame que, que je supporte depuis plusieurs années. Puis, j', j je vais y organiser cette année un petit encan parce que, bon, versus COVID, ça a été difficile de ramasser de l'argent, tout ouais. ça. Alors, euh, j'ai donné une photo. Euh, au Canadien, puis j'ai demandé pour vous de l'envoyer à Ken Dryden. J'ai pris une chambre. L'envoyer à Ken Dryden pour lui faire signer, puis accepter. Wow. Parce qu'on qu va la vendre, puis on, on va donner de l'argent à la ça, fondation. Il faut, faut absolument que... que tu nous envoies le lien pour ça, qu'on puisse le mettre sur Show de Carte, ça peut aider. Bien euh... sûr, regarde, regarde, regarde ça. Regarde ça. Regarde la beauté de cette photo-là. Oh my God. C'est beau ça? Tu vois-tu wow. la, la, la vie de cette photo-là, comment, comment ben ça, ça Ça a ça été parle? pris à quelle année, ça? ça c'est euh, début 70. Mais la vraiment, qualité man... de la photo, ouais. c'est... Elle est proche, est proche, là. Eh oui. Tu sais? Aïe aïe. Fait que là, pour ta fondation... ben regarde, bon, ben, ça, je, je, je t'en montre d'autres, Brad Park, euh, qui... Euh... Est toujours dans, la, dans le concept d'un... Tiens, je te montre ça, OK? Dis-moi ce que tu vois... Dis-moi ce que tu vois. Tu ben là, c'est euh, Major League Baseball Players. C'est commandité par une bière que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Michelob. C'est pour le Alumni Golf Series. Tournoi de golf. Mais là, demande-moi pas de reconnaître. Il y en a un là-dedans qu'il faut que tu reconnaisses. Le blond. Le blond, le blond. C'est-tu Rogers? Non, c'est Mickey Mantle. C'est Mickey Mantle? Ouais. Le blond, le deuxième dans la rangée ici, là? Est-ce que lui, là? Ah, lui. Je ne l'ai pas reconnu. Je pensais que c'était Alors, aussi. pourquoi je te montre ça? Cette photo-là, elle existe pas ailleurs? Pas, non, ça, ça n'a pas d'intérêt plus. que. Mais ça vient valider un autre objet que j'ai. Ça, c'était son, euh, son ticket. Ben voyons donc. Signé par lui. Fait que ça, c'est un de un. C'est incroyable. Ça, c'est un ouais, de je, un. Je capote sur ta collection. <laughs> Regardez ça. Le billet signé par Mickey Mantle. Il y a un collectionneur, euh, Stéphane Lévesque, qui était venu sur le podcast. Je ne sais pas si tu tombé sur cet épisode-là, mais il est allé au National lorsque la carte de Mickey Mantle, la SGC 9.5, ouais. est en vente. Puis, il était là au National sur la table. Il est arrivé à la table du... Euh, où est-ce qu'il qu qu l'avait? Puis, tu oh, vois, prends-la dans tes mains, sans problème. » Puis, quand il l'a eu dans ses mains, il ne savait pas que ça valait ça. T'imagines-tu? Moi, je même pas été capable... De la non, tenir non, non, dans non, mes mais mains non, non, non. Euh, à 12,5 millions de dollars. américains Oui, okay. en plus, effectivement. <laughs> C'est incroyable, ça. Et, euh, bon, que si... Je ne vais pas p... la mettre sur tes photos je à côté. Euh, je vais te parler de... Il faut euh, qu'on qu se garde du temps et que tu me parles de ta carte recrue, par exemple, aussi. Là. Oui, oui, on finit avec ça. Quand bon, je vais te parler... Ça, je vais te faire... Je vais te faire... Combien de temps reste? Il nous reste euh, 10 minutes. OK, je vais te faire découvrir quelque chose. C'est okay? Qu pas, pas mal ça que tu fais, de peu, une Namien. <laughs> qui n'est pas un de un, mais ça, c'est typiquement québécois. Puis je t'encourage beaucoup à aller à les fouiller là-dedans. Okay. J'encourage les gens à aller fouiller là-dedans. Ça s'appelle les parades sportives. OK. Tu connais -tu ça? Non. Les parades sportives, ça c'est Paul Stuart, qui est un ancien boxeur, qui s'est intéressé à beaucoup de disciplines sportives et qui faisait des petites feuilles. Qu'on pouvait se procurer. Okay. Okay? Il a touché à, à tous les, 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 les sports olympiques, le hockey, le baseball, le football euh, et évidemment les royaux. Et donc, il y a. Euh, je peux te montrer celle-là ici, qui est une parade sportive en 1945 parce qu'il y avait trois Québécois. Qui jouait pour les royaux à ce moment-là. Et le chandail. OK, oui, il y avait le chandail fluo à ce moment-là. Le chandail. Aïe, okay, aïe. roi et Breard. OK. Alors, ça, c'est 45. Tu vois. Mais ce que. Ce, et et celle-là, je viens de l'acheter. La, et et celle-là, elle est excessivement rare. Puis elle est en condition parfaite. Ça, c'est la véritable wow. photo recrue de Jackie Robinson en 1946 à Montréal. Mais ça, quand on dit, t'es pas obligé de répondre. Mais quand, on, quand tu dis elle est excessivement rare, c'est une, une copie qui est, qui, est, qui est super belle, le centrage est, est très, très beau, la photo est parfaite. Combien ça coûte? Je sais pas. Je sais pas parce qu'on euh, l'a envoyé à BSA puis on ont refusé de la grader. OK. Fait que je peux pas, je peux pas te dire. Moi, pour moi... Je, je sais pas. Ok. C'est une idée. question parce que je suis tellement pas dans ce monde-là comme tu sais. Là, c'est deux mondes qui se rencontrent en ce moment là. Ouais. Euh, Et tu sais, moi, j'ai jamais acheté ce type de photo-là de ma vie. C'est probablement un article qui m'aurait intéressé l'ayant vu dans une table, mais j'ai aucune idée. On parle dessus de dizaines de dollars. Allez voir, allez voir, allez voir sur... non, non, non. Allez voir, allez voir sur eBay. Euh... Allez voir sur eBay. Euh, vous allez avoir une idée, mais il n'y en a pas il y a des copies, là. il y a des prints, mais les originaux, je sais pas, je vois pas. Et fait ça ça c'est les... la façon qu'on… Qu 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 ouais, ouais, ben ben oui, ben oui, ça, c'est le 5 mais aucune idée, je n'ai pas vu passer. Donc, euh... Alors ça, euh... et là, je, je veux parler d'un gars que j'ai rencontré, toujours dans mon concept de 1 de 1. Ouais. Moi, j'avais une… Une, une, une signature que j'ai achetée de Ken Dryden. OK. okay dans un show. J'avais la signature qui était, qui était validée, tout ça. Et je voulais avoir une carte de Ken Dryden. Puis c'est Louis Philippe que tu connais. Ben oui. Louis Philippe qui, nous a, fait, qui a fait la carte de Yannick et moi. Oui, c'est euh, ça. Exactement. Et euh, qui en a fait plusieurs autres. Il m'a fait une carte de Drew Dowdy <laughs> avec un dent dedans. <laughs> il est absolument fabuleux. C'est un artiste, ce gars-là. Ben oui. C'est un artiste. Je n'ai pas le nom de sa compagnie. Il me dit dit Louis-Philippe. Louis oui, il... je pense pas qu'il y, qu y a de nom de, de, de compagnie. C'est Louis-Philippe Brunet. Oui. C'est ça. Bon, Donc je... si vous allez dans un show de cartes, il est là, oui. et j'ai vraiment... donné la Ken Dryden. Il m'a fait une une de une. Elle est. J'étais sur le bord des larmes quand je l'ai vu. Regarde c'est beau. Hey. C'est hey, beau, hein? Super Regarde des deux côtés. Un petit peu. Avec les coupes Stanley. Puis il a mis une de une, tu sais. Oui, une la, de une dans un le la... coin en bas à, à, à droite. Vous la voir ici. Ouais. Je la montre à l'autre caméra comme ça. Louis-Philippe il fait du travail merveilleux. Je l'ai mis sur la page Facebook de Ken Dryden. et euh, C'est vraiment wow. Euh, alors, ça est... Ta carte recrue, là, là, veux tu me ma me recrue. comment ça se fait que t'as une carte recrue? Ben, moi, j'ai... Euh, en 96, j'ai été repêché par les Expos de Montréal. C'est vrai, comme Tom Brady. J'étais un ancien, comme Tom Brady, et j'ai fait le camp d'entraînement, et j'ai ma carte recrue. Tu jouais à quelle position? J'étais deuxième but. Ah ouais. OK. Puis, plus jeune, j'étais lanceur, mais je me suis brisé le bras euh, en lançant. Mais 96, ça veut dire qu'on t'a repêché... Euh, C'était Mike Lansing qui jouait euh, au deuxième but à ce moment-là, non Non, il est arrivé après. après. Il est arrivé après, 95. après 96. Et, euh, et j'ai fait le camp, ok. Et euh, je me suis pas rendu plus loin. Mais j'ai marqué 4 recrues. Puis j'ai marqué en arrière. Si le baseball ne fonctionne pas, il y aura <laughs> toujours la magie. <laughs> ok. Évidemment, Greg, ce que je viens de te dire, c'est de la bullshit. Non, tu pas fait ça Je n'ai jamais été repêché. Ah, là. Mais j'ai fait un camp d'entraînement qui s'appelait le Fantasy Camp. Comme ce que JP Bertrand fait, je ne sais pas si tu connais JP, oui. là, qui fait à Boston, lui, il l'a fait deux fois. Bon, alors à Montréal, à Montréal, je l'avais fait, parce que moi j'étais maniaque de baseball, puis j'allais souvent en Floride, donc j'avais fait le camp d'entraînement, et, je, et ça avait été une semaine, c'était juste, euh, juste avant le début du camp, des expos, alors, nous, on avait le, 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 la chambre des joueurs. On était traités vraiment comme un entraînement. Nos chandails euh, qui nous attendaient. Il euh, y avait. Euh, écoute, moi, j'étais un petit peu timide. J'arrive là. OK? Puis, euh, bon, euh, c'était très anglophone. Mon anglais n'était pas très bon. Mais, euh, et là, j'étais sur le bord. Puis, il euh, y avait des joueurs des expos là, qui sont là. Il y a une dizaine de joueurs qui sont là. Tu avais Valentine, euh, Claude Raymond. Et là, la première journée, j'étais sur le bord, tout ça, les gens s'entraînaient, tout ça, puis il, dit, il y a un gars qui me tape. Il dit, « Come on, on va se pitcher. » Puis c'était Gary Carter. Ah! Oh! Fait que là, ma première journée, je me pitch avec Gary Carter. Et je fais, oh « My God, je dis, ça te dérangera-tu de te mettre à genoux? » <laughs> tu de te mettre en catcher. Et, et, et là, ça avait été une semaine tout à fait magique. J'avais été repêché parce qu'il faisait des équipes. Il faisait quatre équipes, donc tu avais deux capitaines. Moi, Carter et Claude Raymond m'avaient repêché. Donc, j'étais dans l'équipe. Il y avait Billy qui était là. Ah. Tu sais, à un moment j'étais au bâton contre Billy. Je disais, ah « Give me your curve. Ah » ouais, Et là, je te jure, la balle, elle, elle s'en vient vers toi, là. Puis je me tasse, puis à la dernière seconde, à rentre directement au centre du match. C'est juste de voir les balles rentrer. C'est incroyable ce que les gars sont capables d'accomplir. Alors, bon, ça, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai à peu près une dizaine. J'en ai donné euh, une à, à Dumpocket. J'en ai donné une à, à Max parce qu'il aime, ben il, oui. il aime les cartes aussi. Ah oui, Alors, je ne savais pas que c'était un collectionneur. Bien. Oui, ah oui, oui, ben oui. Et puis là, bon, écoute, tu peux aller chercher 50 pièces là-dessus pour ta, ta fondation. Eh hey, bien, c'est sûr, mais bon. elle est belle. Elle est super belle. Les Big League Cards 1996. Si le baseball ne fonctionne pas, il y aura toujours le match. <laughs> ah, ok, sourire. <laughs> il y a eu Tom Brady puis Alain Choquet. C'est capoté. C'est capoté. Ça, si jamais, ça, jamais ça peut ramasser quelque chose. Ben mais... écoute, c'est sûr. On en fait tout le temps des, euh, des, 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 des petits trucs comme ça. Puis c'est le genre de truc, les collectionneurs y embarquent, puis ça donne ça donne un beau don pour des fondations. Puis euh, ouais. Alain, merci pour ces belles histoires-là. On n'a même pas eu le temps de faire euh, la non, moitié mais... du tour qu'on voulait faire. C'est sûr qu'on te réinvite dans les prochaines semaines. Là, et tu en tournée en ce moment? Tu as moi, un spectacle euh, ce soir? Mais... Non, mais moi, je fais des ciel de ce qu'on appelle du corpo. Euh, à son dernier spectacle, je l'ai vu. C'est vrai? Oui, oui. C'était en, en 2019? 2018? Euh, euh, ben, dis-moi où. À quel, quel terme? C'était euh, au Cégep euh, Collège Lassalle. À la salle. Oui. OK. Ouais, ben, c'est ouais, après la pandémie ou euh, C'est juste avant. avant. Juste avant. Okay. Juste avant. Après ça, euh, ouais, après ça, on a arrêté pendant un bout de temps, puis on a repris. Ça, c'était mon avant-dernier mon avant show où je devais arrêter complètement. Puis là, mon producteur m'a demandé, ça te tendu d'en faire un autre? Je fais, oh my God. Mais j'ai encore... Tu sais, j'en colle la flamme, tu sais. Je, 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 je comme genre Moi, ouais, j'ai trippé bien raide. J'ai pas besoin avec, de euh... dire ça. J'ai trippé bien raide ouais, au dernier show. Ouais, C'était ben, vraiment, vraiment ouais, le fun. C'était bon, gentil. Une très, très belle soirée. C'est gentil. Puis là, on est en pleine écriture. On est en train de créer le show et je m'amuse beaucoup. On commence en septembre. On s'installe à Sainte-Agathe, au Patriote, pendant une semaine. c'est un beau théâtre, ça. Bien, c'est ont tout pour... rénové. Ah oui? Tout est refait. Puis moi, j'étais un gars du Nord, moi, Saint-Adèle. Fait que c'est tout mon patelin, ça. Fait qu'on s'installe là, en résidence, pour une semaine. Puis après ça, ben on repart. Puis j'ai à peu près une centaine de dates par après. Puis euh, on verra. Là. Tu vois, moi, à 60, 60 ans, on vit ça ouais, un jour à la fois. Puis je, je m'amuse. Puis des petits projets par-ci, par-là. Euh... Ben écoute, c'est certain. Et, et, sympa... et, et... et je m'entraîne tous les jours en. Hein. il y a toi que j'écoute. Il y, y a le podcast de. Euh, sur les recrues là, Mathias. Euh, de Mathias, qui est, qui est, qui est génial. Ben, il est passé tantôt, nous dire bonjour. Là, si tu l'as vu dans la vit, là ici. Ah oh, euh, oh non, je pas vu. Il est, il, est, il est passé, il est venu voir euh, sa okay. chronique avec Martin. Vous faites une super job. Ben, c'est euh, un, un plaisir. Puis pour moi, mais ça, vous faites partie de ma vie parce que c'est euh, dans, dans le quotidien. Je euh, ben, très, très honoré d'être là aujourd'hui. Pour moi, là. ça, c'est le, le, le plus beau compliment de dire je prends une heure de mon temps. Puis je vous écoute, puis j'ai du fun. Mm -hmm. euh... Je vous comprends pas, par exemple. Je, je, je comprends rien, mais j'ai du fun. <laughs> euh, écoute, merci Alain. Et pour moi aussi, c'est un honneur de t'avoir euh, sur. Puis de, de voir tous tes items aussi. Je te dis, euh, mm -hmm. Yannick va écouter l'épisode il va capoter de ne pas avoir été là. Euh, mais on refait ça avec lui, c'est sûr, sûr, sûr et certain, avant que tu commences ta tournée euh, en, au mois de septembre, puis je me promets d'aller voir le spectacle également. Ben, aussi, je t'invite, puis bon voyage, profite bien. Merci, pis, euh, merci bien Si tu veux parler de... Je ne suis pas planter en carte, mais je peux t'amener ailleurs. Euh... Bien, écoute, moi, j'ai voyagé pendant une heure, puis j'ai eu tellement de plaisir. Puis tu vois, je ne suis pas tant en carte que ça, puis j'aime vous écouter. Fait Il y a sûrement des gens qui... Qui, qui vous écoutent, puis qui sont aussi euh, amateurs d'autographe, amateurs de tout ça de ces systèmes de collection là aussi. Euh, c'est important d'en parler, c'est important de, de s'ouvrir là-dessus. Euh, oui, on a commencé ça avec les cartes, mais Yannick collectionne des bouteilles. J'arrête pas de l'écœurer avec ça, c'est toutes les maudites affaires qu'il collectionne qui sont qui n'ont pas rapport avec le sport du tout. Fait que oui, ça, ça fait partie de notre mission également. Euh, une fois que la, la folie Bédard est installée, ouais. bien partie, là on peut euh, partir avec plus de sujets. Parce que... Moi, j'encourage beaucoup les gens, les collectionneurs, à aller au salon euh, à Drummondville, qui a lieu euh, deux fois ouais, par année. La des non, non. Non. non c'est le, le salon des, des collectionneurs. Ah, le salon qui, des collectionneurs Qu'ils font deux fois par année au même endroit. Il ah, y en a un qui est allé la dernière fois, ils ont même pas capable de marcher dans les allées tellement qu'il y avait du monde. Ce qui est génial, c'est que ça t'ouvre sur d'autres. Euh, avenue aussi de voir des choses qui t'intéressent. Euh, euh, Maintenant, quand il achète des trucs, là, comme là-bas au dernier show de Dormanville, il est revenu, il m'a appelé, il dit J'ai acheté tellement d'affaires, puis il dit À chaque fois que j'achète, je pars à Rive, je me dis Hey Greg, il, il rirait de moi encore de voir ce <laughs> que j'ai acheté. <rire> <rire> puis il me parle de ça, puis je trouve ça je trouve ça le fun de, de voir ça à travers. Tu sais, un jour, il m'a tombé en amour avec un item de collection comme ça. Mais je trouve ça le fun de, 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 de voir la passion à travers les gens qui découvrent ça. Évidemment. qu'il y a une ouais. richesse là-dedans. Mm. Ça peut être une un enseigne, t'sais, une fameuse enseigne de coke qu'il y avait dans tel restaurant ou quelque chose comme ça. Euh, pour, pour moi, euh, je j's, suis encore en train sais. Puis à un moment donné, ça va arriver. T'sais, la collection, tu l'as dit, ça commence à telle place, ça s'en va à autre, ouais. ça bouge. Pis... Mais tant que ça ne euh... devient pas de folie, là. Ça. Non, non, ça, pas... ça, ça c'est tough, ça, que ça ne devienne pas de folie. Mais ouais. ouais, bref, on sera en reparlant ensemble. à merci. Grand plaisir, une merci fois. Greg. Merci euh, Merci beaucoup pour tout. Puis nous, ben, on, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Show de Carte. Merci à tout le monde d'être là. Salut.